Effectivement les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Dead Island Riptid. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve tout en haut du cinéma, donc on est là où on s'est arrêté la dernière fois. Et nous allons tout simplement continuer la suite de notre let's play. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah let's go, allez on va aller voir Marvin. Marvin, as-tu quelque chose à nous raconter? Je vous avais bien dit qu'un tel endroit était parfait, non? Ah, merci d'avoir sauvé Jacqueline. Jacqueline! C'est vrai, je l'avais oublié celle-là. Ouh! Achète. Problème. Je crois qu'en fait, on est plein. Alors, et c'est un truc de dingue. Depuis que j'ai lancé le jeu, tous les personnages-là qui sont dans le cinéma, ils arrêtent pas de parler. Parler. Ils font que ça. Ils me cassent la tête. Alors, vous m'excuserez d'avance d'ailleurs si jamais vous entendez que ce soit des chiens, que ce soit un taille-hé, ou que ce soit une tondeuse, ou je ne sais que, ou même des voitures qui passent sur la grande route derrière chez moi. Vous m'excuserez d'avance parce que j'ai un peu chaud, j'ai même très chaud, donc j'ai ouvert la fenêtre, et donc on entend tout. Mais bon, c'est qu'un détail, on s'en bat les cas. Alors, on va notamment vendre tout ce qui nous intéresse pas, c'est-à-dire tout ce qu'il n'y a pas dans notre inventaire rapide. Donc tout ce qui est fusil, après il y a des trucs, le marteau redoutable, Balek. Donc après tout ce qu'il y a dans notre inventaire rapide, c'est des trucs qu'on va garder. Et bien sûr les trois armes qui sont là, parce que c'est des armes qu'on n'a pas habituellement. Voilà, donc on va pouvoir récupérer cette jolie hache, et pourquoi pas même récupérer des nouvelles armes, non? Alors voyons, des munitions déjà. Pas d'emplacement libre pour les munitions, donc déjà ça veut dire que... Ah ah, le pistolet est presque plein, donc on peut acheter 15 de munitions. Maintenant. Voilà. C'est un peu cher, mais on les a achetés. Moi comme ça, on est tranquille. Je vais aller voir grand-mère là-bas derrière. Voir ce qu'elle est prête à nous raconter pour... des griffes... Il y a quoi? Une machette, son balec. Un choueur et un fondeur. Ouais, en fait, on s'en fout. Bref, on est prêt. On est prêt, on pourra aller voir Hardy. Parce que c'est lui qu'on doit aller voir. Merci. Je suis trompé. Voilà. Salut Hardy, ça farte? Je vais faire un tour à la base militaire. La grille de défense et le système d'alarme, la base marche sûrement. Si c'est le cas, vous devez faire sauter les portes et entrer. Si l'un des soldats tente quelque chose, dites-leur que vous êtes envoyé contre, comme je l'ai dit, le colonel Bridge est un vieil ami. Quand vous le trouverez, contactez-moi. Je prends. On s'en charge. Vas-y, Balek, on y va que Max, tu vois ce que je veux dire? Vas-y, moi je me casse. C'est pas comme me faire chier, mais j'ai des choses à faire. Ah non, je me casse. En plus, ils arrêtent pas de tous parler, ils font que ça. Alors, le gros porc de l'autre coup, il est plus là. Étonnamment. Mais, comme vous avez pu voir, il y a des gros des zombies qui me cassent la tête. Allo, zombie, viens prendre ta coup de batte. Aïe! Attends! Attends. C'est pas la Mac, toi. Change ta somme. Toi non plus, sinon je te diglingue. Sale bête. Alors. Sniper, on a plus de balles. Canabo, c'est de la merde. Bah écoute, ce que je propose, c'est qu'on trace. Je prends mon canabo et on trace. Hop. On va aller direct à la base militaire. Alors je sais plus du tout par où c'est, mais bon, c'est pas grave, on va courir par là. Je veux dire, c'est un petit peu la base de courir par là. Vers le point, quoi. Comment les graphismes, ils sont en train de charger pendant que je cours. C'est chaud, quand même. Ils abusent. Hey. 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 Salut. Salut, topin. Hey. Tu vas me laisser tranquille, toi. Ok. Y'a un autre topin, le grand méchant avec son poing, là, salut. Oh merde, y'a des mines. Ouh, y'a des mines. Ok, y'a une mine là, moi je suis en plein milieu, là. Donc ça veut dire que je peux me prendre celle de droite, ou peut-être celle du milieu, si je continue mal.
Alors attendez, je vais peut-être gérer le coup en faisant ça. Ok! En fait, c'est puissant une mine. Je pensais pas que c'était aussi puissant que ça. Choqué. Bon. Bah, c'est pas grave, une mort de plus. Une de moins! Excusez-moi. J'en suis désolé. Genre, je me suis retourné, le mec il était devant moi, quoi. Normal. Non, mais au pire, vous pouvez l'éteindre, hein, le. Ah, voilà. Toi, ta gueule. Non, non, reste en haut. Voilà, reste en haut. Eh bien. Parce que là, je l'entends venir, ce gros sac. Il est où? J'ai entendu venir, ce gros sac, lui. Bon, il s'est barré. On va dire que c'est comme ça, je vais oser descendre. Oh, le froussard, quoi. Non, mais sérieusement, quoi. Ah non, il est là, en bas. Salut, Topin, ça farte. Alors, attendez, ce que je propose... Voilà. Wakba, je me casse. Barrez-vous. Pardon, pardon, excusez-moi, excuse me. Excuse me, c'est là-bas. Pardon, pardon, pardon. Et je me casse. Et attends. Faites trop de mal. Je vous dis glingue, bande sale pute. Et si ça me bâtard. Allez, salut, hein. Je me casse. Je rentre à la maison, je vais manger du pain. Du pain parce que j'ai rien. C'est super bien. Ah, vous kiffez mes musiques en vrai. Ouais, je le sais. T'as fond dedans à chaque fois. Que. Calmez-vous les mines, hein. Pas de malaise entre nous. Je veux dire, on se connaît depuis tellement longtemps entre nous. De bout à moi et demoiselle. Ah, bah tiens, regardez. Il y a un joueur qui nous a rejoint, Adam. Alors apparemment, j'étais sur. J'étais en partage de partie. On pouvait me rejoindre. Bon, tant mieux. Hein. D'un côté, j'aurais de l'aide. Pour ce jeune homme va m'aider à éteindre les miradors. Parce que là, c'est un peu tendu, quoi. Je veux dire, hop, j'en ai encore un. Oh non, oh non, je peux pas, excusez-moi. Je suis obligé de faire ça. Mais non, pas ça. Ah, il abuse. Je vais me mettre bien là, tu vois. Ah, la seule. Ça c'est fait. Cours, 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 ça a pété, ça a pété, ça a pété. Ouah. Allez, on monte. Le mec, il fonce dans le tas, il s'en balèque, quoi, n'importe quoi. Donc là, voilà. Ça a maintenant, tous les zombies qui courent vite comme des gros porcs, il y en a plus. Par contre, lui, il court peut-être pas vite, mais il est puissant, tu vois ce que je veux dire. Donc, ok, il s'en bat les couilles. Vous croyez si je vous dis que il s'en bat les couilles? Ou alors que c'est un mec qui a les moyens d'avoir des bonnes armes. Qui a limite des armes cheat, pourquoi pas, ça se trouve. Oh mon dieu, je me casse. Hop, ici un mode. Détache la dingue. Wow. Course is fucking locked. Je vais me prendre une mine. Violence. Et ça, c'est la grande vérité. Ok. On a trouvé quoi là? Le casier des explosifs. Je sais où ils sont. Ils sont pas là par hasard. Je crois qu'ils sont là quelque part. Ah, ou alors ils ont changé de place avec la mise à jour, mais normalement il me semble qu'ils étaient là quelque part. Hein. Problème. Je sais plus où ils sont là. Ah non, ils sont là-bas au bout, c'est vrai. J'avais zappé, hein. Ils sont ici, là. Là-bas au bout. Là, ils sont là, les explosifs. Et ils ont même pas changé de place, c'est normal. Ça va, c'est cool. T'as le typhus. Toi, t'as le typhus, vérité.
Ok, maintenant ils sont deux. C'est cool ça alors. Allez, plus on est de fous, plus on rit. Venez. Venez vous amuser avec moi. Ah ouais, 3 secondes. Ah ouais, quand même. T'as chiant, explosion. On va pouvoir rentrer dans. C'est quoi ça en fait? Le palais principal. Ok, drapeau de la France. Vérité ou. Je sais pas trop. Est-ce que c'est le drapeau de la France? Ah, moi je dirais que ouais. Mais vu comment il a accroché, je dirais que non. Bon, c'est qu'un détail. Hein. Allez, venez là, sans je vous tape. C'est bien. Vous êtes intelligents, mes petits. C'est très bon, ça. Alors, reprenons là où on s'est arrêté il y a quelques instants. Voyons voir ce qu'on a. Par ici. On monte, on descend, on monte. Non, bah non, on descend. Comme par hasard, quoi. Putain, il est abusé. Je me prends des vents par le jeu. Et je dis au moins que je lui dis on descend. Salopio, bah. Je vais mettre la lumière. C'est pour si. Hé, salut, bonjour. Tu veux une patate? Tiens, cadeau. Je le parle. Ah. Prendre des munitions. Quoi d'autre? Vas-y, on monte. On va monter à l'étage maintenant. Voilà. Et là, on va pouvoir commencer à vider les lieux. À nettoyer les lieux. Ok, bonjour. Et là, il y a quoi? Comme par hasard, c'est bloqué. Bon. Lui, il dort. Oh, toi, tu vas te calmer déjà. Attends, je te slatane. Voilà. Non, non, c'est pas moi qui me le prends, celui-là. Vas-y, avance, je te l'offre, cadeau. Ah, je suis vraiment bâtard, quoi, sérieux. Putain, j'ai une pute. La vérité. Ok. Les zombies qui sont vides, c'est pas pour moi. Non, c'est pas pour moi, j'ai dit. Voilà, c'est pas pour moi. Oh, bonjour, ça va? Salut. Hey, comme par hasard, c'est ce pote-là. Et ouais, comme par hasard, on passe par là. Comment vous dire? Le petit fus. Vas-y, dégagez là. Ok, là, il y a un gros méchant. Un gros méchant pas beau. Ok, je vois plus rien. Ok, là, c'est les toilettes et il y a un gros méchant pas beau. Allez, salut. Hein. Voilà, et là, je vais fermer la porte. Comme ça, tout le monde a le démon. Ah, tu peux venir là. Allez, viens. Viens voir tonton. Viens voir tonton qui s'attend. Je vais te dégommer, mon gars. Je fais 30 ans d'arts martiaux, je suis ceinture rose. Ou pas. Et en fait, je vais me cacher parce que j'ai plus d'endurance. Maman! Il se relève! Il est plus d'endurance! Eh ben là, j'ai retrouvé mon endurance! T'as le typhus! Ouais, faut pas le con, hein! Faut crever, là! Non! Oh, chatte à Mireille! Nom d'une chatte à Mireille! Mais c'est un. C'est dingue ça! C'était assez tendu quand même! Ah ouais? Ah bah non, en fait, t'as plus là! Voilà! Comme ça, l'alarme se met en route et nous pouvons donc traverser ce feu! Qui en fait ne. On devait pas venir là! Mais on devait en fait passer par. Pas là parce que là c'est fermé. Mais par là. Je regarde la carte et il indique. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool par ici. Il est puissant quand même notre pompe là. Ah ouais.
Ouais, il est puissant. La vérité. T'es moi comment il est mort lui. Bon. Par ici. Coup de patte dans ta gueule. Tu verras ce que t'en penses. Ah ok, il a pointé les zombies. Ah d'accord, on peut pointer les gens quand on est en multi. C'est demi. On peut pointer les choses. Donc là, si j'appuie sur la flèche de gauche, et que je pointe par exemple cet ordinateur, j'appuie sur la flèche de gauche. Ici, il y a un truc à fouiller. Allez, salut. T'as le typhus. T'as voulu m'attraper et me faire peur, hein. Mais non, j'ai pas fait peur, tu m'as rien fait du tout, wesh. Allez, vas-y. J'arrête de courir jusqu'ici. C'est bien, ça démonte. Ça permet pour ceux qui n'ont pas de micro de pouvoir discuter avec bah, de pouvoir leur dire des choses. Laissez bâtard. Voilà. C'est bon ça. Alors ensuite, ici un kit de soins, ça m'intéresse ça. Bonjour. Excusez-moi. Voilà, je voudrais pas. Je voudrais reculer en arrière. Ah, faut le mac avec moi toi. Juste du gomme. Je t'ai prévenu, en plus j'ai des topins, donc faites pas, fais gaffe. C'est bon. Je balance des grenades. Moi je tire, bâtard. J'ai vidé un chargeur d'AK-47 dans le dos, il m'est pas mort. C'est abusé quand même des fois. Regarde lui, il a une arme shit là, salopard. Bah, heureusement qu'il est là, n'empêche, parce que ça... Sans lui, je galérerai, je suis sûr. Allez, crève. Que dire? À part, c'est moi qui l'ai eu. Ils sont le typhus. Vous êtes tous le démon, les gars. C'est moi le meilleur. Vous êtes des merdes. Par contre, on en parle. Pourquoi j'ai plus de munitions de snipe? J'avais tout utilisé? This Colonel Briggs? Lieutenant Colonel Hardy hooked us up. Briggs est mort. I'm here with a bunch of survivors. Nous sommes en contact avec le lieutenant-colonel Samuel Hardy. J'aimerais vous aider, mais je ne peux pas. C'est quoi votre problème, putain, là? Comment êtes-vous au courant pour Banoï? Il vous dit que Hardy nous envoie. Serpo? Je veux vous abandonner. Ah, le bâtard, en fait, il veut nous abandonner, Serpo. C'est celui qu'on a vu au tout début, là. C'est l'espèce de scientifique qui s'amuse avec des vies. Mec, vous me prenez pour n'importe qui. Serpo, je vais atomiser l'île. Et il va atomiser l'île, genre. Avec une bombe atomique. Attendez une seconde. Attends qu'il réfléchit quand même un peu. Harlow? Il est con. Il parle à Harlow? Okay, oh, attaquez-la. Obéissez. Désolé. Mais le temps, c'est de l'argent. Le bâtard. Le cinéma de la ville. Méfiez-vous de Hardy. On ne peut faire confiance à cet homme. Vous ne pouvez faire confiance à cet homme. Ah bon? On peut faire confiance à Hardy. Hey Hardy. I just had me a very interesting conversation. Très intéressant. On va pouvoir rentrer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, on va aller par là. C'est bon ça alors. Salut toi. Oh, je vais couper la jambe avec mon pompe. Au calme, normal. Non mais normal que. Bonjour. Toi ta gueule. Et toi je t'en parle même pas. Alors. Oh, moi je pense que c'est là. Oh, ouais, belle. Ils sont mis derrière moi. Attendez, hein, juste 30 secondes, je me cache autant que je cherche.
de balles. Attends une seconde, garçon, je recharge. Tu veux bien? C'est gentil d'avoir attendu. Arrête de t'arracher la peau. Pauvre homme. Ah, t'es dégueulasse, en vrai. Ça arrache des bouts de peau pour nous les balancer, quoi, sérieusement. Oh! En fait, on va reculer un petit peu. Ouh! En fait, non, on va avancer un peu. Ok, j'ai couché tout le monde avec mon con. Ça s'est fait. Ta gueule. Ah, par contre, ça va être un peu plus dur de le coucher, quoi. On va dire qu'il y a un léger problème. Eh, pas qu'un léger problème. Il y a même un gros problème. En fait, en fait, il n'y a pas de problème vu que je me casse. C'est fait. En tant que joueurs, normalement, ils peuvent se téléporter. Si je dis pas de bêtises. Téléportez-vous, bande de bâtards. Allez, là, venez, ça qui est dedans. Voilà. Le deuxième, va-t-il comprendre? Et abruti congénital, je t'invite à me rejoindre, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux pas te TP? Allez, ça coûte non. Ah bah voilà, c'est bon ça alors. Ouais, on les a quand même attendus un quart de seconde. Hein. C'est normal, c'est des anglais, ils sont pas très réactifs. Après j'ai regardé si ils sont anglais ou pas. Mais alors, moi, généralement c'est des anglais sur le jeu, donc bah, comme les anglais sont pas très réactifs. Hein. Je dis pas qu'ils sont cons, hein. Ils sont pas très réactifs, c'est différent. Par contre là vous me bloquez, hein. C'est pas vous me cassez les couilles mais vous me bloquez. Voilà. Donc ce que moi, je vous propose c'est qu'on rentre à la base. Voilà. On va rentrer à la base tranquillement et doucement sans se prendre aucune mine parce qu'on est des beaux gosses. Voilà. Le mec. Et le pire, c'est qu'il l'a fait, quoi. Allez, hop, salut, on va esquiver tous les zombies pour faire les beaux gosses. Voilà. On va monter sur la poubelle sans endurance, ça va être un peu compliqué, je vous l'avoue. On va sauter là-dessus, voilà. Tout à fait. C'est exactement ce que je voulais faire et on va maintenant pouvoir courir vu que j'ai récupéré tout mon endurance. Or que normalement je devais pas le récupérer parce que j'étais vraiment bloqué par une ailure parce que j'avais plus d'endurance, je devais sauter. Et en fait bah, je devais pas récupérer mon endurance, finalement je l'ai quand même récupéré. Alors le zombie qui est derrière moi est vraiment méchant parce que bon il me court après et il veut ma peau. Je vous l'accorde mais j'arrive à lui échapper et puis à monter tout simplement à l'échelle. Voilà. Et j'ai pas arrêté de parler parce que j'étais en stress. Vérité. Alors ensuite, on va pouvoir parler à Orgy. Bon sang, pourquoi vous avez fait ça? Je devais tous vous faire bouger. Menace imminente nucléaire est en cours. Alors quoi? Maintenant? Je suis toujours cassé, vous faites? Attends, les résoudre. Je n'essaie pas de me faire des amis. Juste de quitter cette foutue deal. And I'll be damned if I let everyone else die, understand? And that's why we're taking the chopper from him. Chopper? What fucking chopper? You mean the one that don't even know where we are? Getting their attention is the easy part. Attirer leur attention est facile. Il n'a pas fait brûler quelque chose sur le toit. Quelque chose? Faites. Il veut qu'on fasse un feu sur le toit. C'est ce que j'ai compris. Bonne idée. Et en plus, il y aura à sortir. Mais vous devez convaincre Jocelyn de quoi? Je sais pas, j'ai pas le temps de lire non plus, désolé. Donc on doit convaincre Jocelyn. Hey Jocelyn, viens, je dois convaincre la rue, mais je sais pas quoi en fait. Sûrement de faire un feu avec les bobines, voilà, il le dit. Donc on doit prendre les bobines qui sont dans la salle d'enregistrement, avec lesquelles Jocelyn... Parce que Jocelyn, en fait, le but, c'est son taf, c'était de prendre les bobines d'enregistrement, mettre le film, et puis voilà, et vous faire foutre, quoi. Vous regardez le film, vous cassez pas les couilles. C'est ça son but. Et les films qu'elle a, on doit les prendre et aller faire un feu sur le toit. Pour le moment, on va pas le faire. On va garder ça pour la prochaine fois. Donc, je vais quitter pour éviter qu'il lance la mission. Voilà. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais il vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert, un petit commentaire qui suit, qui fait plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager si ça peut faire plaisir. Et surtout, les amis, on se retrouve, que je dis pas de bêtises, demain pour une nouvelle vidéo. Et ça sera. Sur Call of Duty 3 en marche vers Paris. Allez, bye tout le monde.